Content que t'aies récupéré ton lecteur, Quill. Enfin, c'est toi qui l'as balancé dans l'espace. Eh, ça a marché, non? Bon, bah tout va bien. Je suis blessé psychologiquement. Ah! Attention, c'est encore chaud. Il faut dégager le passage. C'est bon, je m'en occupe. On retourne dans un trou, mais c'est super, voilà. Tu aimes les trous? Ah, robot géant! Je déteste ces trous. On ne peut pas faire que ce soit tout à fait robot. Qu'est-ce que tu veux dire? Bender t'a rendu ton appareil. A-t-elle parlé de moi? Eh, j'ai pas trop entendu. Je dois me souffler un peu, Groot. Allez, fais tomber. Le fanatique a rejoint son créateur. C'est un vrai long, c'est la vérité. C'est moi, on arrive à peine à les rappeler. Ce truc est costaud, il va falloir mettre le paquet. Vous savez ce que je vois quand je regarde le champ de bataille? Je vous vois, vous. Et je suis épaté. Sans blague. Vous me donnez envie de me battre 24 heures sur 24. Qui est avec moi? Je suis avec toi, Peter Quill. On va bien s'amuser. Yann, vous... Non, ça, Drax. Et moi, d'accord, on va essayer de tourner. Elles sont adaptées à son style de combat unique. J'ai ça, un autre allumé. J'essaie de nous ralentir. Il faut qu'on retourne dehors. Notre tuerie devrait être efficace. Je signe des autographes. Tu crois qu'il y a des gens à l'intérieur de ces trucs? On a vu des trucs plus bizarres. Dans tous les cas, ils me foutent les miquettes. Ouais. Allez, venez, on doit remonter trouver Warlock. Allez, hop! Laissez-moi faire! Si nous survivons, nous devrions inviter Lady Hellbender à rejoindre l'équipe. Il n'y a pas de place pour elle dans le vaisseau, elle fait au moins 3 quills de haut. Un quill et demi. Et encore? Son armure doit peser au moins 6 quills. Vous savez quoi? Et si on votait? Qui veut inviter Lady juste au corps? Non. Oui. Non. Peter Quill. Tu plaisantes? Oui. Elle est géniale. Méchante, mais géniale. Groot, votre nom? Ça fait 3 noms et 2 mauvaises réponses. Le nom l'emporte... C'est un vote équitable. Je m'incline. Yeah. Attention! Oh, oh. La oui. Bien joué, Lady Hellbender. Alors ça...
C'était une surprise. La chance nous sourit. Nous ne serons pas aspirés dans le néant. Sauf si Racker désactive la gravité artificielle. Espérons qu'il soit trop occupé avec le rituel pour penser à ça. On est sûr que Warlock est à l'autre bout du vaisseau? Ouais. Tant qu'on continue d'avancer tout droit, on est bon. Nous avons donné un sens à notre vie. Nous ne mourrons pas ici. Mais si c'est le cas, nous irons dans l'Ultas. Correction. J'irai dans l'Ultas. Et vous, vous irez dans les paradis païens. Okay. Mais je demanderai s'il y a de la place pour vous dans le mien. Tu vas, Quill? Je suis simplement mon intuition. Lady Hellbender se joindra plus vite pour l'assaut final contre le Magus. Elle a déjà pas mal de boulot sur les bras, je crois. Oui, des bras puissants et musclés. C'est bon, on a compris. On se demande si toute l'église est là. J'imagine. Ils ont besoin de tout le monde pour protéger le rituel. Les monstres ne nous attaquent pas. Il est vrai qu'ils sont naturellement attirés par les couleurs, comme le vert de ta peau. Comment ça, ma queue ressemble à un appât? Ils préfèrent peut-être les bâtons? Bender n'ait pas eu une armée comme ça pour nous soutenir. Pendant la guerre galactique. Elle bâtissait sa légende, mais elle nous honore de sa présence maintenant. Ouais, essayons de rester dans ses bonnes grâces. Approchez! Venez nous défier! Les gardiens de la galaxie s'ennuient! Enfin, qu'est-ce que tu fais? On n'a pas besoin qu'ils soient plus à nous ralentir. La rage catassienne du combat va nous pousser à des... C'est toi qui es là-dedans! Spasiba, gardien de galaxie, d'avoir aidé Cosmo pour éliminer Promess. Il ne court plus après le serpent qui est bout de bois. Et regardez, Cosmo vous rapporte Nowhere! Ouais, on a remarqué. Et famille! Dites priviet, mes petits! Ah, c'est bon de te retrouver, mon grand. Ah! Cosmo a point commun avec les vilaines puces. On pense être débarrassé jusqu'à ce qu'il vous croque dans la couenne. C'est vraiment un bon chien. Niet. Cosmo est meilleur des chiens. Maintenant, on écrabouille vilaine puce comme elle le mérite. Attaque! Je savais pas que Nowhere pouvait balancer des rayons de la mort. C'est trop cool! Et le cabot a la patte sur le gros bouton rouge. Je vais devoir être plus sympa avec lui.
c'est bon signe qu'on n'ait pas encore vu Warlock. C'est vrai. Il n'a pas dû céder à la promesse. Il nous serait déjà tombé dessus, sinon. On n'est pas très discret. On devrait rester en mouvement. Nous sommes en mouvement. Bon, bah alors on devrait accélérer. Une fois à l'intérieur du rocher, on risque de se retrouver nez à nez avec le grand unificateur. Et on va lui briser le nez. J'ai qu'un seul de ses bras. J'ai hâte de compléter ma collection. Oubliez pas qu'il nous a collé une raclée la première fois qu'on l'a affronté. C'est pour quoi, ça ? Poussez-vous, poussez-vous ! Vivant. Ouh, le signal du mouchard est vachement plus puissant ici, on approche. Les potes de Racker vont pas nous faire de cadeaux, à mon avis. Nous non plus. On est là pour Adam Warlock. Apportez-le nous et on vous laissera partir. L'ennemi ne retient pas ses coups. Ils voudront pas décevoir Papa Monstre. Le Magus regrettera son incursion. Et un fanatique en moi. Il a mis une corde dans tout ça, Peter. Vous croyez que ce Magus est insensible aux balles? Il sera réduit en miettes par l'union de nos rages. Quel gâchis! Sémine était la colonne vertébrale de la Résistance. Ils devraient abandonner leur beau dieu et retourner au travail. Réveillez-vous! Vous êtes manipulés! Ah, tu peux pas les faire revenir! Méfiez-vous des ennemis embusqués! Le premier qui tente une sournoiserie, mon épée dans la gorge! Oh, ma collègue! Rocket! Explose tout! Nous serions probablement perdus sans la femme insecte! Qu'elle revienne nous sauver les miches quand elle veut! Les copains! Il faudrait quelqu'un pour récupérer tout ça! Fichez Warlock! Non merci! Nikki est vraiment quelque part dans ce trou? J'ai d'autres adversaires, Peter Quill. Vas-tu aussi essayer de leur faire entendre raison? Ça marchera pas. Butez-les! C'est pour moi, celui-là! Tu n'as aucune chance! Ils combattent avec une vigueur renouvelée! Ils pensent qu'on essaie de les chasser du paradis! Je suis prêt à tout détruire! C'est un bail que j'ai rien fait péter, moi! Continuons! La source du signal est bien plus loin dans les mines. J'ai la fourrure tout hérissée. Il y a encore plus de puissance ici que dans le cortex. Grotte le sang aussi. Une énergie négative. De mauvaises ondes. Ah. Je pense que l'église est partie d'un groupe de mineurs. On aurait dû se contenter de creuser. Ah.
retard pour l'accomplissement. Vous sentez une différence? La réalité n'a pas changé. Je le ferai cette fois-ci. Attention! Ces tunnels étaient remplis de mineurs au lieu d'adeptes. Paraît que la plupart de ces tordus travaillaient à la mine. L'ennemi ne retient pas ses coups. Ils voudront pas décevoir, papa monstre. Il faut encore exploiter. Paraît qu'ils utilisent ces métaux précieux pour leur technologie de bois. Il faut bien produire les pyjamas dorés du grand Si seulement on pouvait emporter un peu de ce minerai. Personne ne pourra changer cette cochonnerie quand l'église aura disparu, c'est trop risqué. Nous avons de la chance que Mantis lise l'avenir. Et les arbres, hein, mais on n'y doit pas pour... Ce robot géant commence à m'énerver. Avec plaisir. Ça doit faire mal. Réveillez-vous! Vous êtes manipulés! Ça sert à rien! Ils t'entendent pas! Cet ennemi ne cédera pas facilement! Il est trop tôt que je poignarde quelqu'un! Je vais me souffler un peu, Groot! On sera bientôt débarrassé de ces fanatiques! Et la miséricorde dans tout ça, sir. Selon les règles d'acquisition dans l'espace, si l'ennemi attaque sans avoir été provoqué, t'es en droit de garder nos butins! Ah, on les a clairement provoqués! Ils sont provoqués en premier! Plein de quoi! Attaque-le, gros! Oh, wow! Rappelez-moi de pas énerver! N'obligez pas à vous humilier! J'ai l'impression que l'ennemi ça fait des heures que je tire sur ce robot! Tu sentiras presque rien. Et si Elbender ne peut pas nous poignarder dans le dos? Elle sait qu'on est des durs à cuire. Elle prendrait pas le risque. Ça s'arrête là, pourquoi? Réveillez-vous! Vous êtes manipulés! Hey, on va pas lui faciliter la tâche. Si on n'arrête pas le Magus cette fois-ci, c'est la fin! Super idée! Si on s'en sort, on devra absolument revenir ici pour remplir la soute. Et vendre le minerai au marché noir? En récompense pour notre super boulot? Ça me paraît juste à moi. Je viens d'avoir une super idée pour distraire Racker. Et c'est reparti. Drax, tu crois que tu pourrais feindre une crise cardiaque? Non. Et dire que tout ça a commencé à cause d'un groupe de mineurs malades... Si ça n'était pas arrivé, Racker serait encore en train de creuser la roche. Je veux vivre dans cette réalité-là. Oh que non. Elle est encore pire celle-ci. Bon, ben, on pourra jamais y arriver. Peter s'en occupe. Ah ouais? Peter Quill possède les armes magiques. J'ai trop hâte de vannes et boucles d'or sur la raclée qui s'est prise sur Noël. Ceci est une inspection de sécurité. Présentez vos documents afin que nous les validions. Inspection de Noël. Boum. Vous avez lamentablement raté l'inspection. Ils sont morts, Drax. Ah. Tu sais quoi faire, Quill? Et si Racker et ses hommes étaient perçus comme des martyrs? Par
qui? Tous les membres de l'Église ont déjà accepté la promesse. Ceci dit, t'as pas tort. Les sectes ne disparaissent pas comme ça. Thanos a encore des fidèles. Ce vieil établi est un peu crade, mais j'ai fait certains de mes meilleurs boulots avec des outils crades. Allez, Rocket, préparons-nous pour le grand final. On va faire ça bien, ce sera peut-être notre dernière occasion. Si je touchais une unité chaque fois que tu me faisais perdre du temps avec tes idées géniales... Cette fois, je suis prêt à en finir. On est deux. Wow. Hey, regardez. Même ici, ils ont la chaîne Adam Warlock. En parlant de boucle d'or, il devrait être juste derrière cette armée de robots tueurs géants. C'est pas vrai! C'est protégé par un bouclier de foi. Tu crois qu'on peut le débrancher comme sur Nowhere? Ça se tente. L'offensive de l'Église universelle de la vérité est intolérable. L'usage de la force létale est accordé. La capitulation n'est pas une option. Ah, nom d'une teigne, ils sont revenus. Ça, c'était sûr. Atomisez-les, Worldmine. Gardien de la galaxie. Il est impératif que vous évacuiez ce vaisseau avant que nous commencions à faire feu. Et pas si vite. Adam Warlock est à bord du vaisseau. Incorrect. Adam Warlock a péri au cours de la guerre galactique. Non, il est ici. Et vivant. Il est toujours vivant, hein? L'Église a enlevé le dieu doré. Nous allons le libérer. Vous l'avez reconnu, Adam Warlock est le seul à être en mesure de les arrêter. C'est d'accord. Nous allons nous contenter de faire diminuer leurs appuis. Pour l'instant, hâtez-vous. Gardien. Ouais, y a juste un petit obstacle qui nous embête. Avancez. Et admirez la puissance dévastatrice de la Force Nova. Le robot a eu la mort qu'il méritait. C'est rageant que le Warmind n'ait pas réagi plus tôt. Pour quelqu'un avec autant de cerveau, il est drôlement têtu, hein, dis donc. Ça va être dur de se relever, pas vrai? Quand il s'agit de machines. Regarde le seuil de destruction au niveau maximal. C'est étrangement beau. Génavo, les vous deux. Ces machines sont configuration directe. Rappelez-moi de jamais énerver les Nova. Correction! Rappelez-moi d'arrêter d'énerver les Nova.
Warlock. Bougez pas, j'appelle un taxi pour rejoindre Boucle d'Or. Accrochez bien vos ceintures. Oups, il y en a pas. Grand unificateur. Baissez-vous. Tu viens enfin confronter le captif, le titiller. Pour être tombé aussi, mais là on sourdine pour une fois. Caroline de Mire. Non, on peut pas risquer de déclencher un combat ici. Débarque à l'aube de notre ascension. Et pourquoi? Tout nous prendre à nouveau? Hein? Que t'ai-je jamais pris? Ma foi! Et pas seulement la mienne. Tu as abandonné tes fidèles. L'église même que tu m'avais aidé à créer. Tu nous as laissé croire que notre Dieu était mort, et avec lui, tout espoir de retrouver nos êtres chers. Je croyais que... Tu m'avais promis, mon fils! Je t'ai promis un partenaire. Tu cherchais l'assujettissement. J'ai commis de nombreuses fautes, mais ta folie n'en fait pas partie. Assez! Assez! Le véritable conduit divin attend. Tu n'es qu'une coquille vide. Une ombre effacée. Mais toi aussi, tu sentiras la Entends-moi. Cesse ce carnage. Braqueur! Gardien, brisez mes entraves. Racker prépare son rituel de restauration en ce moment même. Rocket, tu peux le libérer? S'il le faut. Laisse-moi deviner, les pouvoirs de Racker étaient plus pernicieux que prévu? Inutile de nous attarder sur les hypothèses du passé, fille de Thanos. Bientôt, la foi effrénée de Racker sera sur le point de sévir pour nourrir l'ennemi de l'intérieur. Ça n'arrivera jamais. On va empêcher ça tous ensemble. Pas vrai? En effet. Ok, en avant tout le monde. Venez, pas le temps de bailler aux corneilles. Je peux le raccrocher là-haut, hein? Me tente pas. Si le Magus prend forme physique, sa soif insatiable consumera toute la création. À moins que tu l'aspires avant. Ce n'est pas si simple. Nous devons extraire l'entité qui s'est emparée de l'enfant. Mais qu'est-ce qui restera de Nikki? Si sa flamme brûle encore, elle erre sans but, dissoute dans un songe délaissé. Pax avait les deux pieds dans la promesse, et on a réussi à le sauver. Je serais encore avec les fantômes de ma famille si vous n'aviez pas été là. Le Magus maintenait le meurtrier Catassien captif avec un éclat, un fourbe fragment de lui-même. L'enfant abrite l'entité entière. Tu connais pas ma fille. Elle est forte. Will, c'est la fin du monde, tu te rappelles? Allez, on se bat! Réjouissez-vous! Vous arrivez juste à temps pour le grand miracle! Grand Unificateur. Pouvez-vous les tenir en place, qu'ils soient témoins? Volontiers. Thank you.
Mantis. Mantis, où est-ce ? Je vous écorcherai. Groot, regarde. Peter, on peut la sauver. Est-ce que tu m'entends? Elle a besoin de ton aide, Peter. Concentre-toi sur ma voix. Tu y es presque. Concentre-toi sur moi, Peter. Concentre-toi sur ma voix. Tu dois me trouver. Tu peux encore la sauver. Peter! Par ici, Peter. Suis ma voix. Papa? Papa? Allez, lève-toi. Faut qu'on se dépêche. Mickey. Il faut tout préparer pour maman, elle va bientôt rentrer. Allez, lève-toi. Quoi? Qu'est-ce que... Oh. Faut que tu m'aides. Maman va bientôt rentrer déjeuner et tout doit être parfait. Nikki. Son anniversaire. C'est aujourd'hui. T'as encore oublié? Papa? Papa? Écoute-moi, d'accord? Rien de tout ça n'est réel. T'es sérieux? Papa! Tu m'avais promis de m'aider à lui préparer une surprise. Non, pas du tout. Oui! Tu m'as dit que tu m'aiderais à réparer l'holoprojecteur et il faut mettre des bougies sur le gâteau. Et je retrouve pas son cadeau. Allez, Nikki. Tu ressens pas une impression de déjà-vu? Non, je l'ai commandé sur la planète à pâtisserie. Ce passage a toujours été bizarre. Mais non, je l'ai fait. Ok, il ne reste plus que le cadeau et le projecteur. Ok, Nikki. Et si je te disais que rien de tout ça n'est réel? Ah, non, c'est pas normal. Il y a un problème de mise au point. Tu peux arranger ça? Bon, d'accord. Ça, c'est cool. Ça rend super bien! J'étais sûre d'avoir raté un truc. En parlant de trucs ratés... Ouais. C'est Ala et le système autour. Je crois que j'ai oublié aucune lune. C'est magnifique, Nikki. Il ne manque plus que le cadeau. Il doit être quelque part dans ma chambre. Joyeux anniversaire, tendrement, Nikki. Qu'est-ce que je suis censé faire? Tu l'as trouvé? Oui. Cool, mets-le avec les autres. Super. Là, mets-le sur la table. Est-ce que ce que je dis a la moindre importance? On l'a acheté ensemble, sur Nowhere. Tu sais, au marché où on est allé et où elle a vu ce tableau. De Krillar. Ouais, ça répond à ma question. Est-ce qu'on peut parler, maintenant? Je crois, ouais. Comment c'est? T'es vraiment à fond dans la promesse. Merci, papa. Je t'aime. Ouh là là. Peter, ouvre la porte. C'est maman. Je vais vérifier que tout est parfait. Va lui ouvrir. Oh, je suis super content de te voir. Il se passe des trucs de barge. Nikki tourne en boucle, peu importe ce que je lui explique. On doit absolument lui parler tous les deux, d'accord? Peter... Oui, je sais, il nous faut un plan. Il n'y a pas de nous. Ok, je sais. Écoute, j'ai pas mal merdé par le passé. Peter... Mais si on veut s'en sortir, on va... Je suis morte, Peter. Ouais, mais... Mais pas morte, morte. Hein?
J'ai entendu ta voix. Non, tu m'as amené ici, je te vois maintenant. Je ne suis qu'un fantôme. Une partie de moi survit dans la pierre de l'âme. Mais rien à voir avec le réel. On va trouver une solution. Il y a peut-être un moyen de... C'est sur elle que tu dois te concentrer. Aide-la à accepter que je ne reviendrai pas. C'est juste... que j'aurais aimé que tu m'en parles. Te parler de quoi ? Me parler de Nikki. Tu sais... toi et moi, 12 ans en arrière... Oh, Peter... J'ai fait le calcul. Sa promesse est fausse. Oui, je sais, mais le reste est vrai. Non, tous les deux, sur Mercure. Je me rappelle cette nuit-là. Tout comme moi. Mais Nikki n'est pas ta fille. Elle n'est pas mon enfant. Je comprends pas. C'est une orpheline de guerre. Durant le rapatriement, le Conseil Kree éliminait ceux dont le sang n'était pas assez pur. Nikki était... une petite fille innocente. Je ne pouvais pas les laisser la tuer. Alors... je suis pas... père. Non. Pas le sien, en tout cas. Wow. Ok. Mais elle a besoin de toi, malgré tout. Elle doit me laisser partir. J'ai essayé, mais elle écoute rien. Il le faut. L'anniversaire, les cadeaux... absolument tout ce qui pourrait la rattacher à une fausse version de moi, de nous. Détruis cette illusion et force-la à t'écouter. Mais enfin, tu sais que c'est pas dans mes cordes. Si, ça l'est. Tu n'as pas le choix. Je sais. Maman, c'était bien elle, non ? Elle viendra pas. Bien sûr que si. Je parie que c'était juste Carlos pour nous dire qu'elle était en retard. Ça veut dire que j'ai encore le temps de mettre de la musique. Détruire le mensonge. Détruis le mensonge, Peter. Hé ! Mais ça va pas ? Je suis désolé, Nikki. Non ! Ça peut se réparer. De tout gâcher! Maman va venir. C'est pas réel, Nikki. Rien de tout ça n'est réel. Je te déteste! Tu n'es pas mon père! Tu n'es pas mon... Hé, ma puce. Je sais. Tu as tout gâché. Tu as tout fichu en l'air. Maman allait revenir et... Tout ce que je veux, c'est qu'elle soit là. Si quelque chose ou quelqu'un passe cette porte, ce sera pas ta mère. Ça t'en sait rien. Il y a plein de choses que je sais pas. Comment éviter de faire des gaffes ou de me faire arrêter? Comment consoler une jeune fille de 12 ans dont le chagrin plus que légitime pourrait détruire la galaxie? Mais ça... la promesse, Nikki... je reconnais une arnaque quand j'en vois une. Ça ne te concerne pas. Je sais parfaitement ce que tu ressens. T'es très en colère et blessée. Non, t'en sais rien. C'est vrai, je sais pas exactement ce que tu ressens, mais je voulais dire que... Ça ne m'intéresse pas, ce que tu peux avoir à dire. Je ne veux rien avoir à faire avec toi. Ouais. D'accord. Je veux qu'elle revienne. Je m'en fiche que ce soit pas réel.
Je veux juste que tout redevienne comme avant, même si ça veut dire refaire ce stupide gâteau pour l'éternité tout entière. Je préfère imaginer qu'elle va revenir plutôt que d'admettre que c'est terminé et que... et que tout est de ma faute. Si je ne l'avais pas déconcentrée... T'es pas responsable de sa mort, Nikki. Tu dois pas te sentir coupable. Pourquoi pas? C'est vrai, si j'avais juste... Non, non, c'est pas vrai. T'as pas créé cette chose. Tu l'as pas libérée. C'est pas ta faute si ta mère se trouvait là. Beaucoup d'erreurs ont été commises, Nikki, mais en aucun cas, tu n'en es responsable. Elle pourrait revenir. Y'a que toi qui peux rejeter ce mensonge, Nikki. Mais en ce qui me concerne, je sais que c'est pas elle. Je pense que c'est une chose très méchante qui veut dévorer toute la galaxie. Et tu sais, ta mère, malgré tous ses défauts, c'était pas une dévoreuse de galaxies. Mais peu importe ce que je pense, parce que c'est pas ma promesse. Je peux pas la détruire à ta place. Alors, disons que la chose affreuse derrière la porte n'est pas ma mère. Ça me va très bien. Je n'ai aucune idée de... Les autres, comment ils... Je suis censée écraser des gâteaux toute la journée. Ça peut aider de se défouler. Mais... il y a d'autres moyens. Qu'est-ce que tu fais? Un truc de terrien. C'est ma mère qui me l'a appris. Le principe... c'est d'allumer quelque chose en souvenir d'une personne. Pour lui rendre hommage. Je veux dire, c'est pas magique ou rien de tout ça. Ça fait revenir personne, mais... tu vois, c'est symbolique. C'est un petit geste pour apaiser un truc moche. Des fois, c'est tout ce qu'on a. Je repense sans arrêt à l'ascenseur. Elle était en colère contre moi. Pas si en colère. C'était juste une maman inquiète. Quoi qu'il arrive, tu n'es pas seul. Ok ? Merci. Mais il y a une chose que je dois faire toute seule. Ah!
C'est pas vrai. On l'a dans l'os. Il faut se battre, sinon Warlock va y passer. Occupez-vous du fan club de Racker. Tu parais que ça t'a remis les idées en place ? Réjouis-toi, car tu ressusciteras ! Ouais, j'ai du mal à entendre ! La corruption ! Pas ce truc, Rax ! Venez vous battre! Ôtez-moi, on va dégommer les tocards! C'est pas vrai! Le chef est en train de regagner ses potes! Je suis tout à la peau! Un problème de dingue, canadien! Je t'envoie! Ouais! Prête! Course de ses spies! Il vous a utilisé! Je m'en dis déjà, ça! Moi, les chopper la tronche de alors, il faut le tuer en tout premier! Mais c'est pas vrai! Y'a moyen de lui faire mal ou pas? Aïe! Ah! L'inspiration de l'arbre! C'est quoi le problème? Mon unificateur! Vite! Eh, hey, bah, vous pouvez éviter ça la prochaine fois! Évite de tirer sur celui-là ou on va déguster! Bref, pousse de ses tirs! La tête d'enclume régénère ses copains! J'arrive pas à croire que Bouton d'Or est sauté dans la magie! La culpabilité est un bon moteur! Tu peux me croire! Hey! Rassemblement! Ah, j'ai combattu des tas de vermines sournoises dans ma vie, Quill! Idem. Mais ces fumières en porte-pompons de la sournoise, s'ils continuent, ils vont gagner ce combat, on n'a rien de temps! Ces larves vont pas gagner. Pas contre nous! On est recherchés. Très recherchés. On est des renégats! On ose se mouiller, parce qu'on a peur de rien. Et parce qu'on aime ça! Exactement! Il faut se battre pour sa survie. Qui est avec moi? Sage parole, Peter Quill! Maintenant, Peter! Éviscerné! Affamé! La paix d'un pas! Et maintenant, Peter Quill! Et non, c'est un dernier mot? C'est libre ! Il est pas encore dans la nature ! Il nous a tous utilisés ! Arrête ! Ça suffit ! Intégration! Ouais, ça va tout le monde.
paraît que la petite allait bien. Ne les obligez pas à vous tuer. On s'occupe de Ryan. Ouais, laissez-moi le vaincre, merci. Pas encore, quoi. Dégrache-toi, Dan. Oh, un moyen de vous faire mal. Explique-moi ça. Affamé, la bête infâme. Il a menti. Ligotage, route. Halt. Ah, l'inspiration de l'âme. Agastou, retiens. Mon âme, Unificateur, pitié. Découpe-moi ça! Une belle démonstration de puissance! Ça a dû complètement l'épuiser! Ta foi! Me protège! Arrêtez, Groot! J'ai du mal à lire le ciel des jeux, il est plus insupportable! Il vous a utilisé. Nous devons frapper le plus profond de nos forces. Dans ça, Drax. Je suis prêt à tout détruire. La corruption. Secoue-moi ça, Drax. On essaie de vous sauver vos délires, Tracker. Le grand arnaqueur est mon bien pour Michel-moi tout ça, Groot. Il faut affamer la bête infâme. Il est grand temps que je poignarde quelqu'un. Ne les obligez pas à vous tuer. On tranche dans le vif. Ma foi me protège. On deviendra célèbre. Nous allons devoir faire un mal. Mon incroyable force est sous-exploitée. Tu vas périr. Il nous a tous utilisés. Que ma foi me préserve. La corruption.
Ah, ces minables lâchent rien! On dirait presque qu'ils sont gavés de jus énergétique! Ils sont extrêmement forts et déterminés! Je crains qu'on ne soit pas à la hauteur. Allez! Montrons-leur qu'on a des tripes! Ces parasites font pas le poids! On est plus forts et plus rapides! J'ajouterais même qu'on est capable de tout, même de Kuba! C'est notre botte secrète! Alors, qui est avec moi? La victoire est à nous! On y va! Je suis prêt à tout détruire! La menthe! Ma foi! Me protège! Sentez ma colère! Aime le chaos, Rocket! Amplificateur, pitié! Il faut affamer la bête infâme. Non. 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 Oh, pitié. Pas si près du but. Pitié. Il vous a menti. Et à moi aussi. Regardez-le. Regardez-le bien. Mon enfant. Vous avez réussi. Vous les avez tous emmenés. Voyez devant vous votre bienveillant gardien de la galaxie. C'est terminé, les amis. D'accord, d'accord. Sur ce coup-là, je m'incline. Ok. Bon, on y va. La foule en délire nous attend. Alors, on a gagné ? Bien sûr qu'on a gagné ! On devrait sauver la galaxie, plus souvent. Carrément ! Et je promets de pas la détruire à moitié la prochaine fois. C'est fini les promesses pour toi. On a mérité cette victoire, alors. Savourons-la comme il faut. Te voilà, mon grand. Nous avons de nombreux éléments à ajouter au rapport. Affaire classée. Pas besoin.
gardiens de galaxie, fidèle à la réputation. Ils ont eu de l'aide. Oh là là! Mais d'où est-ce que vous sortez, vous? Ces gardiens cherchaient travail. Cosmo toujours courir après problème. Je crois que ce qu'il nous faut surtout, c'est une bonne balade. C'est bien battu, destructeur. Des petits amis délicats aussi. La dame me trouve délicat. Et qui est donc cet adorable petit bonbon dans son joli emballage doré? Oh, dégoûtant. Lady Elbender, nous regrettons la mort de ces bêtes formidables, mais nous saluons leur sacrifice. Elles sont mortes en protégeant la meute. C'est une fin honorable. Vous allez regagner Seknarf 9? Nous devons d'abord construire une tanière appropriée pour Fum. Sans quoi il dévorera toutes les créatures de mon monde. Jamais il s'échappe, appelez-nous. On vous fera un prix d'amis. Conformément à nos calculs, le dieu doré a joué un rôle clé dans la chute de l'Église universelle de la vérité. C'est une analyse adéquate. Avouez quand même qu'on vous a empêché de prendre la pire décision de toutes vos vies collectives, non? Deux fois. L'analyse de vos données supplémentaires a en effet ajusté certains calculs. Ah, c'était pas du tout forcé, ça. Qu'y a-t-il, animal? Quelle pestilence! Insupportable quadrupède! Hé, hey, un peu de respect. T'es aussi un des gardiens de la galaxie. Qu'est-ce qu'il a dit? Il va te montrer ta chambre. Mais on n'a pas de chambre libre, vieille bronze. Mais alors là, jamais de la vie. Et tu lui donnes la tienne, Groot. Moi, j'ai plein de trucs précieux dans ma pioule. Je suis contente qu'on ait cette fin-là plutôt qu'une des fins tristes. Il y avait combien de fins tristes, au juste? Oh, beaucoup trop. Oh. À toi, l'honneur. Toi d'abord. Je n'en ferai rien, j'insiste. Non, moi, j'insiste. Je t'en prie, vas-y. Cet absurde concours de politesse ralentit notre équité. Et ouais, et c'est pourquoi je te laisse l'honneur. Fort bien. Alors, je passerai le premier à mon corps défendant. Et maintenant? Je sais pas. On a le ciel pour seule limite. Et ce n'est pas une limite.
On pourrait braquer une banque ? On est à la dèche. Waouh ! Je veux pas braquer une banque. C'est illégal. Et... super marrant ! Tu vas corrompre cet enfant. Du calme, Drax. C'était une suggestion. Une idée potentiellement très très lucrative. Eh ben alors, ça va pas, mon canari ? Une digestion difficile. Pas de quoi s'inquiéter. Ok. Y a des toilettes à l'arrière, hein, au cas où. Alors, Mantis, tu vas faire quoi maintenant que l'univers est en sécurité ? Je sais pas. Je crois que je vais retourner sur la Mantis. Quoique, il paraît qu'on est bien sur Terre à ce moment de l'année. Oh ! Ou alors je pourrais essayer contre Axia ? Ils ont des jeux d'argent. On devrait pas laisser un peu de temps à Contraxia pour... chasser la promesse ? De toute façon, ce n'est pas un endroit pour une fillette. Sérieux, mon grand... Oula... Ouais. Oh, non, t'as vraiment pas l'air bien. Oui, la trousse de secours. Je sais faire les premiers soins. On n'a pas de trousse de secours. Tu racontes, toi, on en a une de trousse de secours. Le ruban adhésif, ça compte pas. Il a juste besoin d'une... Ne vous tracassez pas pour ma personne. Je suis dans une forme... éblouissante. Oh, c'est pas vrai. Quoi ça ? Wow ! C'est quoi le délire ? Le Magus. Oh oui. C'est dans celle-là que le dieu doré est dévoré par le mal et essaie de détruire la galaxie. Et je crois qu'il y parvient. Pourquoi j'entends la punaise dans ma tête, moi ? Parce que je suis dans vos têtes à tous. Comme ça, le Magus ne peut pas entendre votre super plan. Quel plan ? Oh bah ça, c'est à vous de le trouver. Lui. Moi. Et le destin des trois. Ouais, et on va tous mourir. Ma dernière forme, la nouvelle norme. Et la pierre. Quand cette chose nous a attaqué, ma mère et moi, elle était terrorisée par la pierre. Oui, j'ai aussi ressenti sa peur de la pierre. Oh oui, la pierre ancestrale, l'une des six. C'est la seule chose capable de contenir l'âme toute puissante du Magus. Ok, donc on doit l'attirer près de nous et lui lancer le caillou magique dessus. Exactement. Pauvre petite miette insignifiante. Ouh, que tu es en train de mijoter. Mantis, comment on fait pour attirer l'affreux ? Prosternez-vous devant le maître de tout. Que vous faites le mieux, gardien. Non, pas en étant gentil. Je pense qu'elle veut dire en se montrant exaspérant. Si quelqu'un peut mettre un dieu en rogne... C'est bien nous. Allez, genoux à terre pour vénérer votre dieu. Car ici, qui mieux que moi ? Bravo ! Bravo ! Tu l'applaudis, toi. C'est une acclamation ironique. Tu crois qu'il sait que c'est ironique ? Oui, applaudissez votre divinité. Non. Tes paroles ne sont que mensonges et vaines promesses. Et personne ne t'aime. Alors pourquoi ces applaudissements ? On se pète la tête, Andouille. Quentin ! J'ai dit, prosternez-vous ! Oh non ! C'est une blague ! Reculez ! M'en occupe ! Nikki, non ! Reste pas là ! Fais-moi confiance ! Oui ! C'est bien ! Comme ça ! Tout sur Nikki ! Vite ! Alors, on a une tête ! Allez ! Restez près de moi ! Oh, il fait ça ! Tu vois ? Je t'avais dit que je m'en occupais. Oh,
Ok, c'était incroyable. Comment tu... Aucune idée. C'est tout. Tout va bien pour les gardiens. Vous n'êtes pas encore chez les affaires. Votre résistance est un crime contre votre vie. Je vais écourter leur misérable vie. Les roquettes. Attention, l'ange démoniaque. Le nombre des parasites augmente. Ça grouille de partout. Attention. Allez dire que j'ai pas mon insecticide. Méchante la purée. Dis un truc pour le déconcentrer? Oui. Énerve-le avec tes paroles en l'air. Insectes infects qui se débattent. Chara, Beluga, tu fais des rimes. Ça va, on a compris. Comment tu fais pour être encore plus insupportable qu'avant? Hein? Rota, verglas, etc. Dis-moi! Vous commencez à m'énerver. C'est notre spécialité! Combat, format, matelas! Vous dites n'importe quoi. Nous, on dit n'importe quoi. Enfin, tu débites des kilomètres de salade depuis qu'on t'a rencontré les Tumans. Et en plus, maintenant, tu fais des rimes. Ingrat, inconscient. Je crois que c'est bon, là, il est tout à point. Il fait le truc de la planète. Mais qui, t'es prête à nous sauver encore? Ah, fais attention. T'inquiète, c'est moi qui ai des super pouvoirs maintenant. Cette gamine commence à me plaire. Je vous dis pas assez, alors je vais vous dire maintenant. Je vous aime, les gars! Tout le monde va bien? Bien joué, petit! Ok, je pense que ça marche. On doit juste tenir encore un peu. Adieu! Allez dire que j'ai pas mon insecticide. Je
explose tout. Peter, je suis désolée pour toutes les fois où je suis pété au jeu. Moi aussi, je suis désolée. Ça, c'est avéré qu'il nous allait se faire. Tôt ou tard, tous se prosterneront devant moi. La galaxie entière se prosternera. Hé, la pierre fait un truc bizarre. Ça y est, c'est le moment, gardien. Appâte-le, Quill. C'est le seul moyen de l'avoir. Prosternez-vous. J'ai dit à genoux. Vas-y, Sartruc. Bon, mets-toi bien ça dans le melon qui tient de crâne. On capitule devant personne. Non, mais attends, sérieusement. Tu sais qui on est ou quoi? Ouais, mon dieu. On est les gardiens de la galaxie. On a des cartes de visite. Et on préfère mourir que de se prosterner devant toi. Vous songez défier un dieu? Avez-vous la moindre idée de ma... Ferme! Qu'as-tu dit? Elle a dit que t'étais un gros naze. Quoi? Vos insultes sont une insulte à... Il va s'en sortir. Pas vrai, Mantis? L'important, c'est qu'il ait réussi. Vous avez tous réussi. Ce n'était pas à lui de se sacrifier. Je s'appelle...
été payé? Pas encore, mon pote. Ça veut dire que c'est fini? Genre, fini pour de bon? Le Magus a été maîtrisé pour l'instant. La plus insatiable entité de la galaxie est à nouveau prisonnière de la Pierre de l'Âme. Il ne reste plus qu'à décider ce qu'on veut en faire. La détruire. Ces deux idées sont très mauvaises. Je s'appelle Groot. Groot dit qu'on devrait combiner les deux idées. La pierre n'est ni une bombe ni une babiole. Et elle n'est pas votre fardeau. Oh, 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 oh! Ce type a failli nous tuer et engloutir la galaxie! Vous ne pouvez pas maîtriser ce mal. Je l'ai engendré. J'en suis le gardien. Personne ne peut garder cette chose. Mantis, quel est le risque que la galaxie soit à nouveau menacée si on garde la pierre? Très grand. Et si on la confie à Boucle d'Or? Pas si grand. L'enfant a raison. Un jour, peut-être, mon âme pourrait ployer sous le poids de sa puissance. Mais je ne suis pas seul. Juste pour être sûr, c'est quoi le risque que la galaxie elle soit dévorée toute crue si on la vend, la pierre? Il est gigantesque. Le meilleur moyen de s'assurer que le Magus ne s'évade pas à nouveau, c'est d'y veiller ensemble. Alors, si jamais tu te sens ne serait-ce qu'un peu fiévreux... J'appellerai ton équipe, aussi rocambolesque soit-elle. Je m'y suis attaché. Et j'implore votre indulgence pour avoir voulu vous tuer et engloutir la galaxie. Un terrible moment, d'ailleurs. T'inquiète pas, on est désolé d'avoir dit des trucs pas cool sur toi. S'il est vrai qu'un homme doit contrôler sa nature, nul autre que lui-même ne saurait être maître de son humeur. Il parle vraiment tout le temps de cette façon? Je veux simplement signifier qu'on est quitte. Ouais, d'accord, mais c'est pas moi qu'il faut convaincre. Oh, certainement pas. Oh que si. Alors? Oh, répugnant. Ok, maintenant we'll be right back.
mais vraiment, ça va. Je peux dormir dans le canapé. Le canapé est infect. J'ai vu le rongeur faire ses besoins dessus. Elle dormira dans la chambre de Gamora. T'as vu ça où? Oh, arrête, t'es une fille. C'est une fille, ou voilà la poupée. C'est vraiment n'importe quoi. Qu'elle aura pas ma chambre. Fin de la discussion. D'accord, tu devras faire construire une nouvelle chambre et peut-être même une salle de bain et convaincre les autres qu'une nouvelle recrue est une bonne chose. Une recrue de 12 ans. Une recrue qui aura peut-être besoin que tu sois son parent de secours. Attends, arrête, mec. Enfin, tu viens de sauver la galaxie 2 fois. Alors, de toute évidence, endosser ce nouveau rôle, ça va être absolument, très certainement... Ça va le faire. Mais c'est vrai, quoi. Si tu t'en es sorti avec Racker et Magus, tu sauras forcément gérer une gosse de 12 ans. Ouais, c'est ça. Un peu de conseil par-ci, un peu de devoir par-là, 2-3 légumes de temps en temps. Où est-ce que tu veux que je trouve des légumes, moi? À moins que Groot sache faire pousser des légumes. Oui, ce serait même plutôt intelligent de lui demander ça. Et si tout le monde décide de mettre un peu de bonne volonté pour faire quelques sacrifices... C'est vrai, tu les connais. Ouais, ils sont... Enfin, très franchement... ils ont de grandes qualités. Je veux dire, c'est vrai, Drax est courageux et il a été père. Groot, lui, il est bienveillant et protecteur. Et Rocket sera... qui saura lui apprendre à se faufiler, et Gamora. Oh, Gamora. Elle s'y connaît en honneur, en discipline et... et en truc de fille. Ouais. Alors, du coup, même si tu t'en sors pas tout seul, eh ben, en fait, t'es pas tout seul. Et tu sais quoi? Nikki fait partie du jeu maintenant. Elle rejoint notre famille. Et une famille, ça se soutient en toutes circonstances. Même si on doit improviser un peu chaque jour. Ça va le faire. Qu'est-ce qui se passe? Une panne d'énergie, semble-t-il. On dirait un verrouillage des cohortes de Nova. Vous avez bien payé votre amende, hein? Oh, Flak! Je s'appelle Groot.
We built this city on rock and roll. We built this city on rock and roll.
Everybody has